Dans le secteur de l'architecture et du design, au vu des compétences multiples mises en œuvre, des branches spécialisées sont naturellement apparues dans celle de la simulation architecturale et design au sens large. L'apport de la simulation 3D est donc aujourd'hui évidente pour les acteurs de la branche architecturale design. La simulation d'un futur projet dans son environnement existant permet de le rendre plus compréhensible et permet de mieux mesurer les différents aspects techniques et les impacts, notamment environnementaux. L'infographiste 3D est aujourd'hui au service de l'architecture et du design. Dans ce secteur, nous retrouvons des studios de graphisme de taille moyenne entre 5 et 15 personnes qui vont proposer des prestations d'infographie 3D, images fixes, films de présentation, mais aussi 3D temps réel interactive. Dans ce cadre-là, l'infographiste 3D qui veut accéder à ce secteur doit compléter sa formation de base avec des compétences dans le domaine du rendu 3D, mais aussi de l'interactivité avec la 3D temps réel notamment. Bien sûr, la compétence centrale reste le rendu 3D, fabrication de l'image, qui, en règle générale, doit être de type photoréaliste. Cela nécessite des connaissances de physique et d'optique réelle et des compétences en technique de rendu sur des moteurs de rendu tels que Mental Ray, V-Ray ou encore Maxwell, ou encore des moteurs de rendu temps réel comme l'Humainter-T qui permettront de faire varier les paramètres et d'avoir le résultat immédiatement. On peut aussi donc développer des compétences en simulation 3D temps réel qui aujourd'hui est utilisée avec des lunettes VR pour des visites de bâtiments extérieurs ou intérieurs.